Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Time Shift, un jeu édité par Sierra, développé par Saber Interactive. Le type, c'est du FPS, donc First Personal Shooter, c'est un FPS. C'est un jeu de tir, la sortie française, c'était le 19 novembre 2007, et la classification, c'est déconseillé au moins de 18 ans. Pourquoi j'aurais de la boîte? Parce qu'il y a de la violence, du langage grossier, et voilà. Ça se joue en multijoueur, de 2 à 16, mais aussi en solo 1 joueur. Au niveau de la résolution, c'est du 720p. Pour le disque dur, il faut installer 422 MO. Ça, c'est disponible sur PlayStation 3. Nous sommes sur PlayStation 3, sur PC, Xbox et Xbox 360. Ouais, que je vous disais bien la première Xbox, donc ça date un petit peu. J'espère que le jeu n'est pas bidon. Hein, on verra ce que ça donne. C'est un ancien jeu, donc vous savez comment ça se passe. Vu que je fais beaucoup de découvertes des jeux récents, bah maintenant aussi on passe aussi un petit peu plus de temps avec des jeux anciens. Plus ou moins bon, celui-ci j'ai vraiment jamais joué, donc c'est une totale découverte. J'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. Vous pouvez me laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Et on commence un joueur. Nouvelle partie, bien entendu. Je suis un joueur occasionnel, voilà. On va pas se prendre la tête, parce que je sens que je vais me prendre la tête. Voilà. Donc je fais un truc occasionnel. Ouh, j'ai un peu mal à la tête. Il y a aussi un autre jeu. Que je cherche, que je ne trouve plus en fait. Et en fait, ces jeux-là, le problème, c'est dur de les trouver. C'est Haze, ou Haze en bon vieux français. H-A-Z-E. Je le cherche. J'arrive pas à le trouver. Voilà. C'est un peu chiant. Temporel réussi. Acquisition des coordonnées temporelles. Les coordonnées temporelles suggèrent une époque alternative, équivalent le plus proche 1930. J'ai réinitialisé Sam pour intercepter les sources vidéo à proximité. Pourvu que ça marche. Debout! On attendait que cette combinaison arrête de faire des bruits bizarres pour vous bouger. Maintenant, soyez allez, on traîne pas! Pensez une seconde, vous êtes. Allez, suivez-moi, vite! C'est parti. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien faire start. S'il te plaît. Oui, mais je vais restart, voilà. En fait, je vais regarder s'il n'y a pas moyen de mettre les sous-titres. Parce que pour moi, le truc le plus important dans un jeu, c'est d'avoir les sous-titres pendant le gameplay. Ça serait assez bien.
audio, stéréo inversé, donc on s'en fout de ça. Jeu, affiché activé là. Bah non, il n'y a pas. Ah, attendez. Ah, c'était caché, bande de petits louveteaux. Voilà, comme ça au moins, je pourrais baisser un peu le son du jeu et vous aurez les sous-titres, donc c'est parfait. Eh mais tu es un petit voyeur toi. Ils veulent pas me filer d'armes, c'est pas grave. C'est lui qu'il faut suivre. Ouais, c'est lui je pense. Ça me fait penser un petit peu à Résistance. Je dis ça, je dis rien. J'espère que la qualité est tout aussi bonne, parce que sinon, ça sera un petit peu dégoûtant. Non mais il est pas vraiment... Quand on se dit qu'il date de 2007, j'ai vraiment testé des fois des jeux qui datent de 2013-2014, qui sont moins jolis que celui-ci, enfin, du moins pour l'instant. Après, faut voir sur la longueur, bon, tu me laisses passer, t'es mignon. Bonjour monsieur, comment ça va? Regarde-moi quand je te parle. Il s'en fout. Il s'en fout de ma gueule. Pas se mettre à croupir. Ah. Ok. On peut pas passer par là. Ok. C'est super, mais moi j'aimerais bien avoir une arme s'il vous plaît. À part si tout le jour on passe sans rien faire, mais. J'espère pas. Vite! Dépêche-toi, ma poule! Oh my god! Vite! Bah je te suis hein. Si tu fais des pauses, on ira pas vite. Ok. Je me suis fait un petit peu douiller, hein. Normal. Oh bon, on va peut-être passer par là finalement. Ok, pour sauter, appuie sur... Merci. Pas par là. Ouais, L3 pour se mettre à copier, franchement... Ça va que c'est les anciens FPS, hein. Oh, mon téléphone qui sonne. Je suis désolé. On dirait qu'il a entendu mon téléphone. Donc je suis désolé pour le bruit de mon téléphone, hein. Je vais essayer de le jeter loin. Sortez d'ici. Attendez. Voilà. Normalement, vous l'entendrez beaucoup moins, je suis désolé. D'accord. En plus, j'ai une musique un peu bizarre. Dire pas... Genre un mec qui fait du cheval. J'ai toujours pensé ça de ma sonnerie de téléphone. C'est un téléphone fixe, hein, je crois. Sinon, j'aurais raccroché direct. Alors. Par contre, je comprends pas là. D'accord. Ça doit être celle-là. Voilà, c'est quoi cette texture dégueulasse? C'est ça la porte coupe-feu, non? Non. Peut-être celle d'en bas. Mais je viens d'ici, non? Je sais plus, je sais plus. Non. Ah bah oui, bah... Tu me parles d'une porte, tu m'as pas dit l'échelle. Oulala. Ah... Enfin un mec qui sait me comprendre. C'est moi par ça. C'est quoi ce truc? Ok. On peut pas péter le verrou. Je dis tiens. Allez, respire. Respire ma gueule. Respire. Tu m'entends? Putain, ça fait, vous faites des bruits bizarres, vous deux là. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas courir. Ah, du moins, pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé la touche. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, moi je suis là, j'assure, j'assure. C'est quoi ce bruit bizarre là?
Voilà. Adieu, monde cruel. En tout cas, ça me donne aucune sensation. Quand je tue des gens, généralement dans un jeu, bah, on a une petite sensation là. Nada, rien. En plus, il n'y a même pas de visée. C'est-à-dire, il n'y a pas de. C'est comme les jeux PC. Moi, je suis pas très habitué à ça. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Mais c'est juste que je ne suis pas habitué à ça. Il n'y a pas de visée. Hop, allez, salut. Oh. Ok, quand on le tire dans la jambe, il n'a rien. Hop, voilà. Oh, c'est un allié, il est en vert. Ah mais, comment tu veux que je passe? Ah bah voilà. Ils ont trop essayé de faire un truc scénarisé et... Moi j'aime pas trop attendre... J'aime pas trop attendre 40 ans. Parce que... Bien. Ce que je reproche... Ouais, ce que j'aime pas attendre. Quelqu'un de pas patient. Alors quand les trucs sont scénarisés, on doit attendre qu'une porte s'ouvre, enfin... Qu'une personne finisse de discuter pour que la porte s'ouvre, alors... Ça, c'est le truc qui me gave. Ah merci, hein, heureusement que tu me l'as dit maintenant. Mais c'est quoi cette voix toute petite, là, en plus? Je veux pas entrer dedans, d'accord. Puis j'ai un chat dans la gorge. C'est vraiment désagréable qu'on en a un. Allez. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de trophée aussi. Parce qu'il faut savoir que pour les premiers jeux de la Play 3, il n'y avait pas les trophées au tout début. Et celui-là, c'est l'un des premiers. Enfin, en type FPS. C'est l'un des premiers et... Bah, il n'y avait pas de trophée. Et moi, ça me fait chier de faire un jeu sans trophée. Je sais pas, je suis devenu con. C'est vrai que c'est con de se dire, ah putain, il n'y a pas de trophée, je fais pas le jeu. Mais je suis un petit peu devenu comme ça. D'accord. On meurt comme ça. Très rapide. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... En fait, je suis mort, hein, pour vous montrer. C'était vraiment pour vous montrer. Vous savez que j'ai le cœur sur la main, et la main sur le couille. Non, je rigole. Bref, pour être franc... J'ai pas vu la mort arriver. Généralement dans les autres jeux, on voit que ça arrive. Et là en fait, on n'a pas la sensation de dégâts. C'est-à-dire qu'on se prend des balles, on n'a pas l'impression de s'en prendre. C'est comme quand on tire, et moi personnellement là, j'ai pas vraiment une sensation d'avoir tiré sur quelqu'un. Je sais pas, c'est peut-être moi des fois, je suis bizarre. Après vous me direz ce que vous en pensez, mais moi très sincèrement... Après bon, c'est pas pareil quand on joue à un jeu. Et quand on regarde, c'est un petit peu différent. Peut-être que j'aurais dû faire ça. Voilà. Ah mais c'est quoi ce Beans? Il y a un moment, il faudra arrêter là. J'aime pas mourir deux fois d'affilée, surtout pour une connerie. Alors maintenant, on se calme, s'il vous plaît. Je vous en supplie, merci. Au revoir. Bientôt. Bisous. Plus plus. Je regarde juste si mon téléchargement est ok. Ouais, c'est bon. Que juste en train de prendre un dessin animé, pour ceux qui veulent savoir, c'est Hunter x Hunter. Un très très bon manga que je vous conseille. Ah mais... Ah ouais, t'es comme ça toi. Casse-toi, allez, hop. Tu me tires dessus, après tu me dis ne tirez pas. Moi les personnes qui se rendent comme ça, c'est... Ça m'hérisse les poils. En fait, j'ai vu qu'ils étaient beaucoup plus que ceux, je crois. Oh, mais toi, t'es un fifou, toi! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, là, ce qui est bon, vraiment, c'est peut-être la première fois que je vois ça dans FPS, qu'une personne perd une arme et qu'il part la récupérer. Ah, ça, c'est un. Ça peut... C'est bon, laisse-moi tranquille. Je mets ici. Je récupère de la santé. Ouais. Pas très intelligent non plus. Là, je me mets ici comme ça, le mec de là-haut là, avec sa fenêtre. Il peut pas m'avoir. Et je vais me le faire. Hein. Je vais prendre ce petit pistolet. Voilà.
grosse vilaine. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est vilaine ou déplacée. Vilaine dans un commentaire. Salopard, salopard. L'effet de pub, j'aime bien. Après, c'est que des lignes hein, en même temps. Mais j'aime bien. Voilà, on récupère des munes. Ouais, c'est vraiment... Mais je vais vraiment essayer toutes les touches. Il n'y a vraiment pas de visée. Hein. Ah si, c'est R3. D'accord. Ça me rappelle un petit peu comme Killzone 2, quoi. Killzone 2 aussi, c'était pareil. C'est... Je n'aimais pas beaucoup. Parce que quand on est habitué à viser avec genre... Avec, par exemple, R2 pour tirer et... L2 pour viser. Je sais plus ce que je dis. Je confonds les touches. Bref, vous m'avez compris. Comme à la Call of, à Battlefield ou tous les autres FPS. Un peu normaux. Oulala, qu'est-ce qui se passe là-haut? Alors, je pense qu'il faut... Il y en a un qui est là, il y en a un qui est là. Ouais. Maintenant, je regarde le clan. Allez, salut! Ça se passe déjà mieux. On a le zoom, enfin je dis ça, je vais mourir. Ok, des mecs arrivent de tout parts. C'est pas grave, c'est le genre de vidéo, je vais mourir 1000 fois. Mais c'est pas grave, pas grave, pas grave. Je sens que cette vidéo là, je vais l'appeler Time Shift. En avant la résistance. Eh mais les enfants dehors, fermez vos gueules s'il vous plaît. Et le téléphone aussi, ferme ta gueule. J'ai la marre. Pas possible, on peut être tranquille pendant une vidéo. J'aurais dû mettre le téléphone pas dans ma pièce où je fais mes vidéos. En fait, quand ils ont fait, quand mon frère a fait le changement dans ma chambre, enfin les travaux, etc., il a mis le téléphone fixe dans ma chambre. Mais c'est une erreur, parce que moi finalement, j'utilise jamais. Et ma mère se fait appeler 50 000 fois par jour. C'est pire qu'une ministre. Du coup, moi... Ça m'empêche de faire mes vidéos, voilà. Et vous, ça vous fait un peu mal aux oreilles parce que c'est... À la limite, je vais me prendre un droit d'auteur parce que j'utilisais un truc comme ça. Ça pourrait ne pas être impossible, ça. C'était eux qui me visaient tout à l'heure. Hein. Mais c'est bon, là. Attendez, j'essaie de mettre à couvert pour pas me prendre de dégâts, punaise. Parce que là, je suis entre deux feux. Bah, c'est... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Vous connaissez Helmut Freeze? Ça m'énerve. Bah c'est pareil. Ça m'énerve. Le jeu est sympa. Le jeu est sympa. Malheureusement, j'en prends plein la gueule. Pas que ça me dérange. Mais c'est juste, voilà, on est en vidéo. J'aimerais vous proposer un gameplay de qualité. Après, j'aurais très bien pu recommencer et patati patata, mais non. Moi, quand je me fais arracher la gueule, je me fais arracher la gueule, et tant pis. Hein. Peut-être personnes se moqueront. Mais vas-y, prends tes balles toi aussi. Prends tes balles, c'est bien l'expression de Call of Duty ça. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est attendre, voilà. Ah, vous êtes content vous. Ah, vous êtes heureux. Hein. Le mec lui lance un obus dans sa gueule, mais ne meurt pas. Toi t'es où là? Ah ouais, t'es comme ça. En fait, j'aurais dû faire ça depuis le début. Ah mais c'est... C'est bon. Voilà, maintenant venez-vous là. Bonne de pomme d'api. Dégage. Pas de renfort. Vous êtes des soldats, oui ou non? Non mais putain. Il y en a marre. Bon, en même temps, j'ouvre trop ma gueule. Donc forcément... Bon bah cette vidéo, on va l'arrêter ici. Ah non, je gueule. Allez. Je veux passer ce passage. Voir ce qui va se passer. Hein. On va peut-être affronter une putain de tournerelle, comme dirait mon neveu. Parce que, on va le dire tourelle, il dit tournerelle, ça me fait rire. Voilà, on va essayer d'affronter, je sais pas, une sentinelle ou quoi que ce soit. Un truc assez beau gosse. J'ai l'impression que cette arme est meilleure que la mitraille au final.
Voilà, vous voyez, aucune sensation. Là, je le vise bien pourtant. Mais on a l'impression de viser un... Je sais pas. Lui va se mettre là, hop. Bien sûr, c'est scripté à mort, donc... ça se répète les choses. Voilà. C'est bon maintenant. Je me laisse plus faire. Nasero Sumi, c'est fini. Ouais, en fait, ça, c'est mon arme, ça. D'accord, je bouge plus. C'est fini. Tue-moi, vas-y. Je rigole, bien sûr. Cette fois-ci, je meurs pas. Si je meurs, je me mets à poil. Vous savez ce que c'est à poil ? Bien, je me mets à poil si je meurs. Là, il y en a un qui va arriver là-haut. Voilà. Ça, c'est le genre de jeu try, die and retry. C'est-à-dire, vous mourrez, vous savez où ils sont, donc après, vous pouvez anticiper. Mais malheureusement, vous êtes obligé de mourir. Ou de savoir jouer. Dire qu'on est en mode facile, je crois, c'est. Hein, vous imaginez si j'aurais mis en normal ? Mais c'est bon, toi aussi, là. À un moment, faut arrêter. Bien beau de manger du saucisson, mais... hein ? Voilà, meurs. Meurs ! Ah, mais... Ils ne meurent pas. Bon, ok, ils ont des combinaisons. D'accord. Ouais, l'homme invincible, quoi, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Il y en a deux. Voilà. C'est bon ? On est où ? On va passer par les égouts. Malheureusement, il n'y a pas moyen de courir. Bizarrement, je l'avais vu avec sa combinaison, je me suis dit, tiens, je t'en manque en fait, non ? Attention, ça pète de partout ! J'ai l'habitude d'appuyer sur rond pour me mettre à groupie, mais non. Pas du tout ça. Franchement, c'est beau gosse. Et ça fait vraiment penser à Résistance. Mais vraiment. Voilà. Oh, petit filou de Gervais. Voilà. C'est bon, non, je l'ai sauvé là. Je vais récupérer des mules. Voilà. S'ils veulent bien. Il est où? Il est où? Il est où le Marseillais? Ta-ta-ta-ta. Voilà, ça c'est bon. Lève pas trop ta tête. Oh putain de merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, d'accord. What, c'est quoi cette cinématique toute dégueulasse? Le jeu va me donner une putain de crise d'épilepsie. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça m'a fait mal à la tête, tous ces bacs. On sait même pas ce que ça fait finalement. Je sais pas. Ça m'a mis mal. Voilà. Ça m'a vraiment mis mal, en tout cas. Non, le jeu, à l'époque, il devait être bien. Après, maintenant, on est en 2014, donc forcément, plusieurs années plus tard, c'est compliqué. Retour automatique annulé. Erreur. Coordonnées temporelles inconnues. Réacteur temps d'origine endommagé. Fonction système endommagée. Alors. Je veux que tu aies l'ordre d'être épargné. Vous avez entendu ? Ça vient ? Arrêtez, s'il vous plaît ! Arrêtez, s'il vous plaît ! Allez, réagis ! C'est quoi ce Beans là ? Ta gueule, toi! T'exploses pas, ça? Bah, vas-y! Oui, je suis en train de pleurer, hein. C'est pas un truc bizarre que vous entendez. Bon, allez, dernière mort. On est déjà à. On est déjà à 25 minutes. Ouais, 25 minutes.
Ok, on peut faire un ralenti. Ça va? Ça va, mon frère? Vive l'Afrique. Vérifiez cette combinaison. Relève-toi, dépêche-toi. Allez, on reste pas là, en avant. Mais dépêchez. Je n'ai pas que ça à faire, moi, messieurs. Genre, petite roulade. Tranquille, il n'y avait personne devant lui. Ah, lui, il est posé, hein, comme on dit. Oh. Ok. J'ai l'impression que mes grenades sont tout sauf efficaces. Enfin, mes... Toi, c'est ça, cache-toi. Ouh, putain. Ah mais prends pas ma place toi. Tu veux que je crève? Non ça va en fait, c'est juste des soldats qui sortent. Je pensais qu'on allait tirer un fucking obus. Mais y a pas beaucoup de balles finalement dans cette arme. Ou je sais pas, ça part peut-être trop vite. Je vois plus rien personnellement. C'est tout noir, c'est tout noir, c'est tout noir, c'est tout... Oh putain, je me planque. Oh putain. Oh oh. D'accord. Faut dire que j'ai vu la mort de très près. De très très... Alors, on va monter ici. Petit chargement. Mais, attendez, c'est quoi ce... J'aimerais passer, s'il vous plaît. Merci bien. En fait, je me méfie, que j'ai trop l'impression que à chaque fois que je passe par un endroit, c'est un truc qui va me tuer. Mais c'est quoi ce truc? Bon, on va s'arrêter là, vraiment, parce que j'ai pas envie de mourir trop de fois. C'était vraiment une petite découverte pour vous montrer des anciens jeux qui sont plus ou moins bien. Après, c'est à vous de vous faire votre propre avis. J'ai pas envie de mourir encore une fois, c'est la fois de trop. D'ailleurs, à votre avis, combien de fois je suis mort depuis le début du jeu? Ce sera à vous de me dire ça en commentaire. Vous pouvez me laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Salut! Attends, j'ai failli roter.